Peut-être que ça va marcher cette fois-ci. Ce que j'aime chez toi, c'est ton optimisme. Bon, au moins on a le vaccin que Decorn voulait. C'est déjà ça de fait. Tant qu'une opération n'est pas terminée, rien n'est fait. Ouais, mais une fois qu'on aura rapporté ce vaccin, on n'aura plus jamais à bosser pour le pire des mafieux de la ville. Enfin, si tout marche comme prévu. Si tout marche comme prévu, on pourra toujours en reparler. Mais on n'en est pas encore là. Je vais aller jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. À mon avis, c'est rien. Denan! T'inquiète, j'ai rien. Et le vaccin? C'est bon. Tu prends le métro. Tu l'as dit, et pourtant, c'est même pas l'heure de pointe. Ils sont deux. Trois. Et ce sont des cyborgs. T'as un plan? Non. Et toi? Non plus. Briareos, comment est-ce que t'as pu les rater? T'as encore un problème de batterie ou quoi? Oh, c'est pas le moment. Et voilà. Vous n'allez pas tirer sur une fille désarmée. Amateur. T'as gaspillé assez de cartouches? Ouais, ouais. Mais tu sais qu'ils ne les ont pas gaspillées? Eux. Je vais faire repartir cette rame. C'est bon, tu peux redémarrer. Mais pourquoi t'as fait ça au conducteur? C'était pas lui. On nous a tendu un piège. C'était un coup monté? Je pense bien, Ray. Merde! C'est quoi? Le terminus! Hein? À terre! Pourquoi t'as dit que c'était un piège? Une seule personne savait qu'on était là. Le vaccin n'a rien. Ouais,
ça n'a pas l'air bon. Non. Il semblerait qu'on doive descendre ici. Je te remercie. Mais t'es blessé? Non, c'est rien. Tu sais, t'es peut-être un super cyborg. Mais t'es pas un robot. Ça ne s'est pas passé comme on l'avait prévu. Non, ça ne s'est pas passé du tout comme on l'avait prévu. Nous sommes à l'aube d'un monde nouveau. Nous avons remporté la guerre. Victoire! Quel est l'idiot qui continue à diffuser ces messages débiles? Le même que celui qui continue à fournir l'électricité pour pouvoir diriger la ville. Diriger la ville? Tu vas un peu fort, là. Ouais, bon. Diriger, c'est vrai que c'est un peu too much. Mais on va pas se plaindre, ça pourrait être pire. Ça, ça se discute. Il serait temps qu'on aille voir De Corne. T'es sérieux, là? Vu qu'on vient de foirer la mission qu'il nous avait confiée, je sais pas trop si c'est une bonne idée. Si on va pas le voir, il va s'imaginer qu'on s'est tiré avec son foutu vaccin. Pourquoi on n'essaierait pas d'oublier qu'on lui est redevable? Et si on prenait nos affaires et qu'on s'en allait loin d'ici? Et pour aller où? J'en sais rien. À Olympus? Arrête un peu avec ça. Tu crois vraiment que cette ville existe, c'est ça? J'en sais rien, peut-être. J'ai l'impression que la vie ici, ça rime à rien. Denan, on a combattu ensemble lors de la guerre mondiale. Et à la fin, qui l'a gagné? Qui l'a gagné? Personne, personne n'a gagné. Alors oui, tout ça ne rime à rien. Je comprends. T'as payé un lourd tribut à cette guerre. Bien. On va voir De Corne et on se débarrasse de nos dettes. Allez, amène-toi. T'es du genre à ne rien devoir à personne. Qui c'est? Ouvrez la porte! Restez là. Oui, on sait, on est habitués. Ok. Vous inquiétez pas, j'ai laissé mes joujoux à la maison. Et Clean? Je vous l'avais dit. Le boss vous attend. Dépêchez-vous de monter. Pourquoi est-ce qu'on l'autorise à monter? Ce type est un cyborg, c'est une menace ambulante. Ouais, mais regarde-le. S'il recharge pas ses batteries, il tient plus debout. T'es sûr que ça va aller? Ouais, c'est bon. They can't compete with us. Nah, they can't compete with us. They can't compete with us. They're begging, we bang it. Yari Tayoni, we go. That's the only way that we know. It's more easy than that. Content de vous voir, mais vous êtes en retard. Pendant que je poireautais, j'ai eu le temps de gamberger. Et ça a pas fait trop mal? Tu veux que je te dise ce que je me suis dit? Je me suis dit que vous vous étiez tiré avec ma cam. Alors allez-y, refilez-moi le vaccin et grouillez, j'attends. Demandez à un de vos gorilles de venir le chercher. Fais gaffe, la loi autorise à battre les bêtes qui ont la rage. On n'a pas le vaccin. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu quelques petits problèmes. Mais tu pouvais pas déjà être au courant, enfin j'imagine. Je croyais que vous étiez les meilleurs. Si je vous paie, c'est pour régler ces fameux petits problèmes. Si t'es pas content de ce qu'on fait, t'as qu'à faire appel à tes hommes demain. Nous, on trouvera du boulot ailleurs. Il n'en demeure pas moins que vous avez des dettes envers moi. Je crois que j'ai assez bossé pour qu'on soit quitte. C'est une blague. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui fait des blagues? Ah!
Relax, on se détend. Oh la vache, mon grand, t'as pas d'humour. Tu te souviens dans quel état t'étais quand t'es venu me voir? Je suis pas venu te chercher. Je me débrouillais très bien sans toi. J'étais sur le point de prendre cette ville en main. Souviens-toi, c'est toi qui avais besoin de moi! Je me souviens parfaitement de ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, nous sommes quittes. Ah, tu crois ça? En fait, si t'es un grand blagueur. Si j'avais pas été là, ta gonzesse serait en train de faire le tapin dans les rues. Et toi, t'aurais été transformé en grippe. Alors, vu comment je vois les choses, je dirais qu'on est loin d'être quittes. Laisse tomber. Cette conversation est terminée. Ça va? Non, c'est toi qui es terminé. Je te souhaite bonne chance. J'espère que tu trouveras un docteur compétent pour remplacer Matthews. Quel dommage qu'il n'y en ait pas à moins de 500 kilomètres. Je vous dis bye bye, adios et passez une bonne journée. Qu'est-ce que vous voulez? Non, laisse tomber, Dolan. Eh bien... il se pourrait que j'ai peut-être besoin de quelqu'un pour me débarrasser de foutu drone du côté de Eastside. Et j'aimerais trouver les personnes capables de me faire ça. Mais je comprends pas pourquoi tout le monde est pris en ce moment. On va s'en charger. On va s'en charger, mais d'abord, vous allez le remettre sur pied. Ok. Va réparer ton Casanova en ferraille. Mais je récupère les pièces et les munitions que vous trouverez. Et essayez pas de me couillonner. Allez, refile ça à Matthews. Ça devrait couvrir les frais. Et s'il en veut pas, je te le donne. Considère ça comme un cadeau pour la prochaine Saint-Valentin. J'ai pas vraiment compris ta réaction. Je croyais que tu voulais plus avoir affaire à deux cornes. C'est toujours le cas. Mais faire ce boulot me semble plus facile que de kidnapper Matthews. Peu importe ce que peut dire Decorn. C'est lui qui était derrière l'attaque du métro. Oui, on est d'accord. Mais on peut rien prouver. Et on ne peut pas lui apporter le vaccin. Alors pourquoi ne pas remplir une dernière mission? Oh. Tu sais à qui tu me fais penser quand je t'écoute? À une junkie. T'as le même discours. Matthews? Matthews, t'es là? Oh, non. Et si... Ok, d'accord. T'attrapes? Ça, c'est encore Decorn qui veut payer un truc. Il faudrait qu'il comprenne que ce genre de conneries, ça vaut pas un pet de lapin. Faudrait que tu lui dises. Je pense qu'il le sait pertinemment. Tiens, garde-le. J'ai déjà failli me cramer avec. Bon, venez. Tiens, prends ça. Waouh! J'en ai pas vu depuis. Je crois même que j'en ai jamais vu d'ailleurs. C'est un K-12, c'est ça? Ouais, le fameux. Créé pendant la guerre. Le top des armes tactiques. Mais c'est rapidement devenu obsolète à cause de son champ d'action limité. Ouais, et tu sais quoi? J'ai entendu dire que pour produire ce petit bijou, c'était pratiquement de la fabrication artisanale. Dites, je vais vous laisser entre geeks. Ouais, d'accord. Ce modèle était vraiment d'une grande originalité. Je suis trop d'accord. T'es blessé? Viens avec moi, je vais te soigner. Non, tout ce que je veux, c'est recharger mes batteries. Oh. Allez, arrête de stresser, ma grande. Moi, j'étais médecin durant la guerre. Ah ouais, vraiment? Si, si, je te jure. Je vais m'occuper de ça. Est-ce que je l'ai foutu? C'est pas là. Oh, putain. Ah! Ah! Oh. Santé. Oh. J'ai pratiquement plus d'énergie. Oh putain. Je t'ai rechargé tes batteries une centaine de fois. J'aimerais bien pouvoir te changer ton générateur, mais... désolé, moi j'ai pas de pièce de rechange. Et à quoi d'autre qui foire? L'écran de contrôle, mes mouvements, en gros un peu tout. J'aimerais vraiment m'y connaître un peu plus sur les systèmes et qu'à ton chien. Parce que je suis sûr que je pourrais t'aider. En plus... ça devait être super impressionnant quand t'étais au top de tes capacités. Ouais, c'est ça, vas-y, remue le couteau dans la plaie.
Les temps changent, nous aussi, c'est comme ça. C'est dur d'être un cyborg en ce moment. C'est dur d'être n'importe qui en ce moment. Allez, ça devrait être légèrement douloureux. Je suis sûr que tu prends ton pied en me faisant mal. Mon boulot est parfois sympa. Hey. Qu'est-ce qu'il devient, cet exosquelette ? Disons que j'essaie de le réparer depuis le jour où tu me l'as apporté. Pour tout ce qui est mécanique, c'est bon, je maîtrise. Mais l'électronique, je suis largué. Tu pourrais peut-être utiliser le K-12 ? Peut-être, ouais, mais ce truc est aussi sophistiqué que ton corps. Quand je raccrocherai, je te filerai le manuel d'utilisation. T'avais pas dit qu'après le coup dans le métro, c'était fini ? Tu répètes constamment que tu vas te tirer, mais au final, t'es toujours là. Enfin, tu me diras, moi c'est pareil. Mais Decorn, c'est le maire de la ville. Et on doit lui rendre des comptes. Ce n'est peut-être pas mon dernier boulot pour Decorn. Mais pour elle, ça le sera. Elle va pouvoir commencer une nouvelle vie. C'est son rêve. Denan ? Arrête tes conneries ! Jamais elle pourrait partir sans toi. Elle y arriverait peut-être si j'étais pas tout le temps avec elle, à la hanter comme un fantôme. Les fantômes sont des êtres du passé. Ce qui compte, c'est maintenant. Et maintenant, cette nana préfère être pendue plutôt que de ne plus être avec toi. Tu devrais être le mec cyborg le plus heureux de la planète. Ah ouais, tu crois ça ? C'est comme ça que ça marche. Attends, si t'es pas capable de comprendre que, de nos jours, c'est chacun pour soi, jamais tu seras heureux, mec. Jamais. Et voilà. Tu devrais mieux fonctionner. Laisse-moi juste vérifier un truc pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes. Ah, ça a l'air d'aller. Tiens, c'est cadeau. Ah ! Mais t'es dingue ! Quoi ? Elle est encore goupillée ? Ouais, ça va, ça je confirme. Vous, tout le monde n'est pas suicidaire comme vous deux ! En tout cas, pas moi. Désolée. Il n'y avait rien de sérieux. C'était pour déconner. Il devrait aller mieux, maintenant. Il est vraiment... Comment dire ? Il est flippant. C'est Matthews. Oui, t'as raison. Il est hyper flippant. Oh, au fait, c'est offert par la maison. Disons que c'est pour fêter votre dernier boulot pour Decorn. Merci. Alors, comment tu te sens ? Si je veux pas passer pour un geek, faut que je choisisse mes mots. Je te remercie. C'est sympa de ta part. J'ai entendu dire que les drones ne sont plus capables de reconnaître les soldats de notre armée. Maintenant, ils tirent sur tout ce qui bouge. Tu crois que c'est vrai ? Il faudrait demander à nos soldats. Mais ils y sont tous restés. T'es super encourageant. Ah, t'as remarqué ? La vache, ils ont vraiment atomisé le quartier. Ouais. Mais ça, c'est pas dû à la guerre. Les stigmates sont trop récents. Si j'en crois les traces encore visibles, je dirais que c'est sûrement l'œuvre de plusieurs Ostrich 117. Ça, ce sont les pires. Et il en reste encore un paquet dans le coin. Près de l'intersection. Laquelle ? Là-bas. Tu vois la trace circulaire d'explosion au milieu des voitures. Et il y en a une autre là-bas, à 50 mètres. Comment tu sais ça ? Ces saloperies se terrent et surgissent pour te mitrailler quand tu passes. C'est pour ça que toutes les carcasses font un cercle autour. Et quand elles sortent de terre, ces machines chassent en duo. C'est quoi leur talon d'Achille ? Elles ont peu de munitions, elles sont programmées, donc prévisibles, et leur tête pèse une tonne. Ok, allons-y. Attends, regarde. Trois cyborgs, deux combattants et un autre inconnu au bataillon. Et il y a une fille avec eux. Ils ne savent pas qu'ils foncent sur des drones. Ils vont se faire massacrer si on ne fait rien. Non, reviens ! Ah, putain ! Thank you.
dépêche. Emmenez-la à couvert! Vous, je peux savoir qui vous êtes? Je n'ai jamais vu une chose pareille. Vous êtes un cyborg? Eh bien, c'est possible. Mais je suis plus homme que machine. D'où vous venez? Vous n'êtes pas d'ici? Non. C'est pour ça que je me suis fait surprendre par les voyous du coin. En tout cas, je tiens à vous remercier pour le coup de main. Vos voyous du coin m'avaient plutôt l'air d'être des mercenaires chevronnés. Oui, c'était peut-être plus que de simples voyous. Est-ce que vous pouvez nous aider? Encore heureux qu'on était là pour nettoyer le terrain. On peut dire que c'est une sacrée coïncidence. Je m'appelle Donan. Lui, c'est Briareos. Et toi, tu es? Assez silencieuse. Qu'est-ce qu'il y a? Vous devriez pouvoir soulever ce véhicule? Je devrais, ouais. Mais les machines s'usent. Et la guerre transforme les gens. Je m'y connais en système biomécanique. Il faudrait me laisser jeter un coup d'œil. C'est le moins que je puisse faire pour vous remercier de nous avoir sauvé la vie. Ok, pas de problème. Et si on lui faisait confiance? Toi, un jour, ta confiance démesurée dans les gens, ça va me mettre dans la merde. Ok, allez-y, jetez un œil. Je vous jure, je vous ferai pas de mal. Alors, vérifier le système. Vous êtes un cyborg hécatonchir de combat? Oh. J'en avais déjà entendu parler, mais vous êtes le premier que je vois de mes yeux. Je sais, ouais, c'est hyper excitant. Bon, on peut passer à autre chose? Ouais, d'accord. Désolé. Alors c'est ça. Un programme bridé l'auto-évaluation du système, c'est un logiciel malveillant. Vos détecteurs thermiques étaient en court-circuit. Du coup, ils ont cramé. Résultat, votre système de refroidissement accaparait toute votre énergie. Mais bon, ça ne vous a pas empêché de détruire ces drones. Comment tu te sens? Montrez-lui. Ah, oh, si
Génial. Et voilà, tout en douceur. Vous êtes du coin, tous les deux? Plus ou moins. On devrait partir tous les quatre. Olson? Olson? Je parie qu'il s'appelle Olson. On m'a appris à ne jamais monter en voiture avec des inconnus. Entièrement d'accord. Merci. Je m'appelle Olson. Et elle, c'est Iris. Vous êtes ici pour éliminer les drones de la zone, c'est ça? Ouais. Mais c'est pas notre boulot habituel. Eh ben, ça devrait. Vous savez y faire. Nous aussi. Nous éliminons des vestiges de la guerre. Pour le compte de qui? Peu importe. Ce qui compte, c'est que nous avons besoin de votre aide. C'est qui, cela? Probablement les mêmes personnes qui ne veulent pas que nous remplissions notre mission. T'en penses quoi? J'en pense que certains nous tueraient uniquement parce que nous sommes en compagnie de ces deux-là. On est coincés. On doit rester ensemble. Ils ont rencontré de vieux drones. Un échange de tirs a suivi. J'ai besoin de détails. D'après les empreintes et les munitions, il semblerait qu'il y avait un cyborg imposant lourdement armé provenant de cette partie-là de la ville. Il était accompagné par quelqu'un de plus petit et de plus rapide. Cette personne était armée d'un fusil d'assaut. Et ensuite? Et ensuite, ils ont pris cette direction. Les drones sont encore chauds, ils étaient là il y a moins de 30 minutes. Et leurs de nouveaux amis? Tout porte à croire qu'ils soient partis ensemble. On retourne en ville. On n'essaie pas de les traquer? Je ne sais pas qui les aide, mais ils sont capables de détruire des drones. Mieux vaut savoir à qui nous avons affaire. Nous devrions aller rendre visite à notre ami en ville. Il connaît tous les mercenaires de la région. Parfait. On s'en va. Longtemps que je n'avais pas vu d'appareil de ce type. Je me demande qui était à bord. C'est une bonne question. Avec leur puissance de feu, encore heureux qu'ils ne sont pas arrivés avant. Allez chercher Iris. Ok. On dirait qu'on a des problèmes. Allons récupérer des munitions sur les drones. On ramasse tout ce qu'on pourra trouver. Iris. Ça va, ce n'est qu'une enfant. Elle a l'air tellement innocente. Je la trouve très courageuse. Je suis pas sûr qu'elle soit encore aussi innocente que ça. Je crois qu'elle essaie de jouer à la dure, uniquement pour la mission. Ils pensent vraiment qu'ils font quelque chose d'important. Ouais, c'est clair. Quoi? Non, je me disais que ça faisait longtemps qu'on roule et... J'ai pas eu à recharger mes batteries, c'est ça? Oui. Pourquoi est-ce que Matthews n'a pas vu ce qu'Olson a trouvé en une seconde? Il m'a dit que pendant la guerre, il était médecin, pas mécanicien. J'y crois pas. Il sait très bien réparer les machines. Tu crois que Matthews essayait de te handicaper? Je sais pas. Il m'a toujours paru réglo. C'est vrai. Même s'il est à la solde de deux cornes. Ouais, comme nous. Vous avez vu quelque chose? Non. On n'a plus d'essence. Où est-ce qu'ils sortent? Ils sont peut-être morts. C'était la mission la plus simple qu'ils aient jamais eue. Non, non, ça pue. Peut-être alors qu'ils se sont enfuis. On a fait en sorte que ce soit impossible. Vois si tu peux pas les trouver. Et...
Messieurs. Talos, qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Il semblerait que nous ayons des intérêts communs. Comment est-ce possible? Je suis qu'un tout petit businessman. Vous dirigez Triton. Que savez-vous de la fille? Une fille, comment elle est? Elle est canon? Ne jouez pas à ce petit jeu-là avec moi. Ah, faut pas m'en vouloir, je suis resté un vrai môme. Où l'ont-ils emmené? Écoutez, le seul gars que je connaisse qui tient ce que je reste en vie, j'en vois qu'un, c'est moi. Alors croyez-moi, j'ai aucune envie de vous baratiner. Un cyborg de taille imposante travaille pour vous. Est-ce que je me trompe? Vous voulez parler de Briarios? Mais c'est une chèvre, un porte-flingue, rien de plus. C'est lui votre problème? Mon problème, c'est que votre cyborg a kidnappé une fille. Êtes-vous derrière tout ça? Si c'est Briarios, je peux vous aider. Mais je suis au courant de rien pour la fille kidnappée. Vous en savez plus que vous le dites. Je vous jure que non. Eh, beauté fatale, il y aurait moyen de m'aider. J'ai l'impression qu'il dit la vérité. Je pense que nos chemins se sont croisés une fois de trop. Et comme j'aspire à reconstruire un monde débarrassé des gens de votre espèce, il est peut-être temps que nos chemins se séparent. Je doute que nous nous revoyions un jour. Non, vous quittez cette ville. Oh, comment je suis trop malheureux. Sauf que ce n'est pas moi dont les gens vont pleurer le départ. Est-ce que je dois vous appeler un taxi? J'espérais qu'on n'en arrive pas à cette extrémité. Espérer. Quel beau concept. Ça risque de prendre un peu de temps. On en a encore pour un petit moment. Tu peux aller t'asseoir. Bonne idée. Juste 2-3 minutes. Ça te dérange si je m'assieds là? Je trouve que t'es drôlement jeune pour avoir à vivre de tels événements. Tu parles pas beaucoup, toi, hein? C'est pas grave, je comprends. Je comprends. Tu sais, je veux pas dire, mais tout à l'heure, on vous a sauvé la vie. Oui, et Olson a réparé votre copain, donc on est quitte. Ok, ça se défend. Est-ce que c'est possible que notre rencontre avec vous soit due au hasard? J'en sais rien. Vous pouvez très bien être des espions envoyés par Talos. Il faut m'excuser, mais tant que j'aurai des doutes à votre sujet, je préfère ne pas vous parler. D'accord, oui, je comprends. Vous êtes des soldats tous les deux? Je vais te le présenter autrement. Nous ne sommes pas des espions. À un moment, il va bien falloir me faire confiance. Quand vous répondrez à mes questions, on verra. Vous voulez savoir quoi? Qui était dans l'hélico? Vous avez déjà entendu parler de Triton? Non, mais je vous écoute. Eh bien, leur leader, Talos, il veut intercepter Iris. Pour quelle raison? À cause de notre mission. Talos faisait partie d'une équipe dans laquelle je travaillais. Quelle équipe? D'où est-ce que vous venez? D'Olympus. Ah, ouais, d'accord, bien sûr. Olympus, le salut de l'humanité, c'est ça? Ouais. Si vous croyez dans ce genre de choses, vous étonnez pas si moi je vous fais pas confiance. Vous savez quoi? Je n'essaierai pas de vous convaincre qu'Olympus existe, et vous, vous n'aurez pas à vous poser de questions, d'accord? Ça me va. C'est parfait.
Quelle est votre mission? Ça, c'est top secret. Ça, c'est bête. Juste au moment où on commençait à s'ouvrir l'un à l'autre. J'ai essayé de vous parler. Soyons concentrés sur un seul objectif. Restez vivant. Je suis hyper concentré. Vous avez terminé? Ouais, on peut repartir. Cette fois, c'est moi qui prends le volant. Ok. Citoyens, j'ai le plaisir de vous annoncer une grande nouvelle. La nuit dernière, le plus dangereux criminel de cette ville, le dénommé Decorn, a été éliminé grâce à l'aide de Triton. Après cette victoire sur le crime organisé, nous pouvons commencer à reconstruire notre monde, ville par ville. Commençons par la nôtre, la plus grande ville au monde, New York. Il va s'en tirer, le boss? Ouais, t'inquiète. Mais il a vraiment eu du bol. Talos pense qu'il est mort. Là aussi, il a beaucoup de chance. Est-ce que t'as retrouvé Briareos? On sait de quel côté ils sont partis. Hé, on se calme. Il faut qu'on retrouve cette fille. Vous avez vu Talos? Il est aux abois. Et quand on est aux abois... Qu'est-ce que je t'ai dit? Il faut un peu de repos. Ta gueule et remets-moi sur pied! De rien. Venez. Non, arrête. Stop. T'as besoin de repos. J'espère qu'il va vite revenir. J'adore jouer à l'infirmière. Oh non, t'as encore décidé de cuisiner. Ah, c'est super drôle. Tu peux remercier Decorn, ce feu, c'est grâce à lui. Y'a que lui que je peux remercier, toi t'as une cata question cuisine. Bon, j'avoue, c'est vrai, je suis pas très douée. T'as plein d'autres talents. Alors, cette ronde? La zone est totalement déserte. Y'a plus un chat depuis la guerre. T'as réussi à savoir d'où ils viennent? Je sais pas si je dois vraiment te le dire. Arrête. D'où ils viennent? Ils disent que... qu'ils viennent d'Olympus. Olympus? Sérieux? Alors, ça existe? Non, ça m'étonnerait. On peut rien tirer de lui comme info. Son histoire d'Olympus, à mon avis, c'était juste pour m'enfumer. Ouais, c'est possible. Mais tu as vu le visage d'Olson? Je n'avais jamais vu une chose pareille. Ah non? Ah, salut. On se demandait où vous étiez passé. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Je prends le premier tour de garde. Essayez de vous reposer. Moi, je vais encore jeter un coup d'œil dans la ville. Toi, tu restes là. Les étoiles ont l'air plus brillantes qu'avant la guerre. Tu trouves pas? J'en ai gardé aucun souvenir. Moi si. Je me souviens de ma famille. Je me souviens de Briareos quand il avait encore... toutes ses illusions. La guerre transforme les gens et les cœurs. Oui. Mais bon, je sais qu'au fond de lui, il est resté l'homme dont j'étais folle amoureuse et... il est toujours prêt à combattre quand la cause est juste. C'est pour ça qu'il veut bien nous aider? J'en sais rien. Est-ce que ta cause est juste? J'en ai l'impression. Enfin, je l'espère. Alors dis-moi, c'est vrai que vous venez d'Olympus? Olson n'aurait jamais dû vous dire ça. Peut-être bien, mais... il l'a dit, et moi je veux savoir. Nous nous y rendrons après avoir rempli notre mission. Oh, mon Dieu! C'est incroyable! Mais j'en étais sûre. Et donc, tu viens de là-bas? C'est vrai tout ce qu'on dit sur Olympus? J'en sais rien, Tenan. Mais c'est pas en nous inspirant des modèles du passé que nous construirons un avenir meilleur. Si Olympus n'avait pas existé, ça aurait été un échec pour l'humanité. Bon, je suis désolée de te dire ça, mais on a échoué. Il suffit de regarder autour de nous. Les ruines de ce que nous avions bâti.
Les rêves que nous avons réussi à détruire. Comment nous avons créé des différences entre nous. Le passé a été éliminé en quelques secondes. Les plus forts ont réussi à survivre, et les faibles, eux, ont rapidement disparu. L'être humain est insatiable. Il veut de l'argent, des terres, le pouvoir. De tout temps, son obsession a été de posséder tout et n'importe quoi. Ça lui donnait la sensation d'exister, d'être quelqu'un d'important. Il s'est donc mis à mentir, à trahir, à tuer son prochain pour des questions de fierté mal placées, tout en trouvant une justification à ses actes, alors qu'il n'y en avait pas. Et au final, nous avons tout perdu. D'un côté, vous espérez qu'Olympus existe. Et de l'autre, vous ne croyez plus au monde dans lequel vous vivez. Vous ne pouvez pas continuer à rester comme ça, Denan. Vous allez devoir prendre une décision. À quel sujet ? Eh bien, soit vous acceptez le monde tel qu'il est, soit vous faites en sorte de le rendre meilleur. On a un long trajet à faire demain. Je vais essayer de dormir. Ok. Bonne nuit. Véhicule en approche. Quoi ? Un tank. À 5 km d'ici. Il se dirige droit sur nous. Un tank ? Il est passé où, l'hélico ? J'ai déjà vu ce véhicule à New York. Iris, debout. Qu'est-ce qui se passe ? Des problèmes. L'hélico est parti en direction de la ville. Et maintenant, on nous envoie un tank. Tu sais ce que ça veut dire ? Deux cornes. Attendez, vous connaissez celui qui est dans ce tank ? Ouais, on le connaît. On le connaît assez bien, même. J'ai du mal à voir le lien entre deux cornes et Triton. On reste en contact radio. On se charge du tank. Tenez, mettez-vous à l'abri et protégez Iris. Ça roule. Tenez. Merci. Briareos ? Ouais, quoi ? Non, laissez tomber. On en reparlera plus tard. Plus tard ? Vous êtes optimiste ? On y va. Normalement, les tanks de ville sont plus véloces. Celui-là a l'air de se traîner. S'il transporte deux cornes, ça me semble plutôt normal. Il pèse au moins 2 tonnes. C'est pas faux. Ah ! Enfin les voilà ! Ici, on leur faisait un petit coucou. Disparu de l'écran radar. Mais je pense qu'on les a ratés. Ils ont sauté du toit avant que la roquette n'arrive. Hein ? Mais c'est impossible. Briareos n'a pas suffisamment d'énergie pour faire ça. On fait quoi maintenant ? Je propose qu'on leur explose la gueule. Ouais, cool, ça me plaît. Échapper, on le suit. Tir de sniper à 11h. On s'en fout, c'est pas ça qui va nous mettre en danger. Restez concentrés sur Briareos. Tu crois qu'ils vont s'en sortir ?
Ce sont des pros, et ils sont très bons. Tu me fais gaspiller mes munitions, tas de ferraille! Ah, putain! Ce petit jeu commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Sortez tous et éliminez-moi cette blonde! Reste là. S'il m'arrive quoi que ce soit, parle-leur de notre mission. Ils t'aideront. J'en suis sûr. Je sais. Mais fais en sorte de rester en vie, d'accord? Évidemment que je vais rester en vie. Je suis un optimiste, il paraît. Peut-être diminué, mais il reste dangereux. Briareos, je te propose un deal. Si tu me remets la fille, je passe l'éponge sur ta fuite. Merci pour la proposition, mais je la décline. Ok. Dans ce cas, je vais t'atomiser et j'en partirai quoi qu'il arrive avec la fille. Et si t'es atomisé, tu sais ce qui va arriver à Donan. Alors je veux que tu te poses la question. Est-ce que ça vaut le coup de se faire tuer pour une fille que tu viens de rencontrer? Oui. Il m'énerve, celui-là. Alson. Hey, mais c'est qui, ça? Attendez, c'est elle, la fille? Briareos avait raison. T'es pas aussi innocente que t'en as l'air. Oh. Allez, faut y aller. On dégage d'ici. C'était du beau boulot, Iris. Merci, vous aussi. Où est Olson? Tout va bien. Ça va, j'ai rien. Tous les quatre, on fait une bonne équipe. Ça fait plaisir que vous le pensiez. Faut pas traîner. Mieux vaut s'en aller. Viens, on va chercher la voiture. Tu leur fais toujours confiance? Faut
Faut quand même reconnaître qu'elle nous a sauvé la vie. Hein, encore heureux. C'est elle qui nous a foutus dans ce pétrin. Je préfère me battre pour elle que bosser pour deux cornes. Tout vaut mieux que de bosser pour... Chut. Iris. Oh non. Iris! Non! Non! Donan! Donan! Envoyons-leur un cadeau surprise. À couvert! Ainsi disparaît ton dernier espoir. Non, ça va. J'ai les oreilles explosées, mais... Ça va aller. Où ils sont passés? Ils n'ont pas pu aller bien loin. Arrête, ils ont un hélico. Ouais, mais je capte encore le signal radio d'Olson. Même s'il faiblit peu à peu. Donan. On va la retrouver. Ok. Ça n'a pas été facile de te retrouver. Tous ces efforts pour attraper une enfant. Tu sais bien ce qu'on dit, plus le contenu est important, plus le paquet est petit. Et ce petit paquet est notre sésame. Où se trouve-t-elle? Je sais pas de quoi vous parlez. Je pense que si. Tu crois vraiment qu'elle va te le dire? Peut-être pas. Mais toi, je parie que oui. Où est la machine de guerre? Ce merveilleux jouet que vous aviez l'intention de détruire. C'est inutile, vous saurez rien. Laisse tomber, Talos. Je n'ai rien à te dire. C'est toujours la même chose. Les gens rendent compliqué ce qui pourrait être si Arrêtez simple. Non, tu ne vas pas. Si, justement. Tu me connais assez bien pour le savoir. Allons vers l'ouest. Attendez, vous avez ce que vous vouliez. S'il vous plaît, ne le tuez pas. Dans la vie, on a rarement ce que l'on veut. Tu le découvriras assez tôt. Qu'importe les cris de cet enfant, cette ville est une idée qui ne marchera jamais. Tu te trompes, Talos. Oui, peut-être. Mais est-ce que cela a une importance? Ça va, boss?
Bien sûr que ça va. Elle est où, la fille? Thanos a emmené... Et c'est quoi, ce bordel? Appelle tout de suite Matthews. Je lui dis de venir nous chercher. Non. On part à la poursuite de cet enfoiré. C'est-à-dire de Briareos? Non. De Talos. Depuis qu'il est arrivé dans ma ville, j'ai que des emmerdes. Et maintenant, salaud, essaie de m'humilier! Leurs flingues sont plus gros que les nôtres. Toi, tu la fermes et tu te ressaisis! Il m'a cherché. Il va me trouver. Je capte mieux le signal. On se rapproche. Y'a rien dans le coin. N'empêche, il est mort. Olson était un soldat. Il connaissait les risques. Je sais, mais... Tu crois qu'il aurait voulu que ça se termine comme ça? Non. Alors on va finir ce qu'il avait commencé. Je crois que je vais pas y arriver. Quoi? C'est trop dur. Ils ont pu l'emmener n'importe où. On perd notre temps. J'ai eu tort. Quoi? Mais je crois que j'ai eu tort. Tu n'as pas eu tort. T'as jamais tort. Oh, que si. Je ne vivais qu'au jour le jour. Je vivais pas. Je ne cherchais qu'à survivre. On n'avait pas d'autre alternative. Tu te trompes. Olson est mort pour une cause qui en valait la peine. L'heure est peut-être venue pour nous de changer. Qu'est-ce que tu veux dire? Là, nous avons le choix. Soit nous retournons à notre vie d'avant, soit nous partons à la recherche d'Iris. On la retrouvera peut-être pas, et on se fera même tuer. Mais au moins, on aura essayé. Ok. On va essayer, ouais, si tu veux. Tu as vu sa main? Tiens, regarde. Y a quoi dessus? Quoi que ça puisse être. C'était assez important pour qu'il accepte de mourir pour le protéger. T'arrives à lire le contenu? C'est l'objet de leur mission. Il y a une sorte de bunker, pas loin d'ici. Ah ouais? Tu te souviens? Ils disaient que leur mission était très importante. Ouais. Ils étaient en dessous de la vérité. Ça va pas être facile. Ça ne l'a jamais été. Si tu veux, je peux m'en charger. Il n'y a rien dans ce hangar. C'est du moins l'impression qu'on a.
j'avais su. Mix. Oui, monsieur. Vous quatre, restez ici. Les autres, suivez-moi. Olson m'a dit qu'il avait bossé avec Talos. C'est là que Talos a dû découvrir pour la machine de guerre. Probablement. Et maintenant, on doit faire en sorte qu'ils ne lui mettent pas la main dessus. Va falloir qu'on les attaque par surprise. Ils ont combien en face? J'en ai compté 14 de sûr. Ça fait 15 avec leur pilote. Moi qui rêvais d'une mission compliquée. Ouais, mais va falloir faire attention. Ils détiennent Iris. Elle pourrait être blessée. C'est pas elle que j'ai envie de blesser. Elle semble inachevée. C'est un prototype. Regarde. Est-ce qu'elle va fonctionner? Bien évidemment. Sinon, pourquoi l'aurait-il envoyée pour la détruire? Comment vous êtes au courant de tout ça? Tiens, elle parle. Les infos sur cette machine sont top secrètes, oui. Même à Olympus. Non. Olson ne t'a pas parlé de moi? Olympus nous avait envoyé, lui et moi, pour nettoyer le terrain après la guerre. Mais pourquoi vouloir le désarmement mondial? C'est d'une futilité sans nom, sans compter que c'est une décision déplorable. C'est pourquoi j'ai décidé de l'activer. La machine de guerre. Une forteresse qui va me permettre de réaliser ma vision du nouvel ordre mondial. Et toi? Jamais je ne vous aiderai dans vos plans. Ma mission était de détruire cette machine monstrueuse. J'en ai assez d'entendre les bêtises pacifistes d'Olympus. Ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est que les gens aiment la guerre. La guerre, c'est une succession d'épisodes passionnants. Ce sont des héros qui arrivent à se dépasser. C'est dans la nature humaine d'idéaliser la guerre. Si ce n'était pas le cas, la vie serait d'un ennui mortel. Tu n'es pas d'accord avec moi? Toi et moi, nous allons rendre ce monde très, très excitant. Merde.
ennemis? Difficile à dire. C'est deux cornes. Deux cornes? C'est comme ça que vous traitez ceux qui viennent vous sauver? Quand c'est toi, ouais. Ah, oh, je suis vert. J'essaie d'être sympa et voilà comment on me remercie. Je suis trop dégoûté. Qu'est-ce que tu veux? Ok, cool. Détends-toi, la boîte à sardines. Je vais te dire ce que je veux. Je veux la même chose que toi. T'as trois yeux et t'arrives toujours pas à voir qu'elle a pas envie de toi? Oh, mais c'est qu'il est comique, non? Attends, je déconne, t'es pitoyable. Je peux le tuer tout de suite? Fais-toi plaisir. Matthews? Ouais, et je suis pas venu les mains vides. Waouh! Et ces batteries, tu les as aussi bridées? Ok, je le mérite. Mais deux cornes, c'est être très persuasif. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit. Bon, allez, pour faire la paix, je vais te l'offrir. Super, comme ça, si ça marche, je l'utiliserai sur toi. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la compression qui était dans la centrifugeuse. Du coup, le K-12 que m'a donné Briareos m'a été hyper utile. T'es prête? Il est temps de passer à l'action. Iris. Le système de vérification s'appelle Iris? Viens ici. Go! Ici, on peut rien faire. Il contrôle tout depuis l'intérieur. Olympus, pensant que ça allait faire de vous des dieux. L'arrêter maintenant. Brèche avérée de la coque.
foutu. Tu commences à me plaire. Vous arrivez trop tard. Elle est déjà morte. Non. Mais toi, oui. Ce truc est un monstre. Je comprends pourquoi Talos le voulait. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont Talos et la petite? À l'intérieur de cette forteresse. Comment on va faire pour monter dedans? Oh, je comprends pas le on. Alors, c'est quoi au juste votre plan? On n'a pas le temps. Va falloir me faire confiance. Me faire confiance. Accroche-toi, Blondinette! Briareos. Eh ben voilà, j'en étais sûr, la forteresse n'est pas terminée, la coque doit avoir un trou quelque part. Vous avez vu? D'accord, tu prends le pont? Ouais, t'inquiète, je m'en occupe. Bon, va falloir s'accrocher, mais on peut y arriver. Lancement de tous les missiles. Ce
J'en sais rien. Je ne peux pas m'approcher plus près. Mais tu es à portée de tir. Je te couvre depuis ma position. Regarde derrière le canon principal. Tu le vois, de là où tu es ? À cet endroit, il n'y a pas de bouclier extérieur. Ce sera ton point d'entrée. Génial. Si tu peux mettre HS cette tourelle défensive, la voie sera libre. Tu peux y arriver. Ne t'approche pas! Je croyais que vous vouliez contrôler la forteresse, pas vous en servir. J'ai changé d'avis. Vous n'allez quand même pas tirer sur une population que vous prétendez défendre. Mais si, justement. Ils comprendront la puissance qui est la mienne. Ça ne marchera jamais. La dernière personne qui m'a sorti ça, je l'ai tuée. Et ensuite, je l'ai jetée de l'hélicoptère. Tu as envie de subir le même sort, hein? C'est ça que tu veux? Non. Donald, je croyais que tu étais morte. Toi aussi, on est deux. Et Bria Reos? T'inquiète pas, il va bien aussi. Tant mieux. Je ne vous ai apporté que des ennuis à tous les deux. Tu veux rire? C'est tout le contraire. Olson et toi, vous nous avez offert une raison de vivre. Y a un moyen d'arrêter cette machine? Je suis sur le coup. C'est à cause de moi si elle s'est mise en marche. Non, tout est de la faute de Talos. Cette forteresse se dirige droit sur New York et rien ne peut l'arrêter. Une fois arrivée là-bas, elle va exploser. Quoi? Ce bâtiment a été programmé pour s'autodétruire. Pourquoi? Au cas où la ville tomberait dans les mains de l'ennemi. Mais j'ai une idée. Ah oui? Il faut appeler Bria Reos. Bien sûr. On a 8 minutes pour agir. Après, le moteur sera hors de ma portée, compris? Ouais. Oui, et souvenez-vous, on n'aura pas d'autre opportunité. J'en ai pas besoin de plusieurs. Où est Donan? Elle est juste à côté. On va la détruire. Pour Olson. Forteresse en vue. Je m'approche de la cible. C'est ma petite dernière. Fais le plus de dégâts possible. Si on détruit encore un canon, ça élargira la brèche et on pourra en profiter. Ça a marché. Génial. Non.
Pas vraiment. Plus que 15 secondes. Évacuez immédiatement. Visuel. Évacuez immédiatement. Tu m'entends? Denham! Iris, ouvre le sas! On doit évacuer sur le champ. Tu nous fais quoi, là? Ouvre ce sas! Cette forteresse réactivera ses boucliers. Je dois rester là et m'en occuper. Non, il faut évacuer! Vous en êtes où? La cible s'éloigne! À Briareos un bon angle pour sortir. Faut qu'on y aille, s'il te plaît. Allez. Je suis une bioroïde. J'ai été créée pour cette mission. Non. Non, s'il te plaît. Adieu. Bien joué, Iris. Tellement de choses dont je voulais te parler. Tu m'as donné une raison de vivre. Tu m'as rendu l'espoir. Alors, t'as pu récupérer du matos? Pas grand-chose. Denan, elle est morte en se battant pour ses idées. Ça ne rend pas les choses plus faciles pour autant. La mort, c'est jamais facile. Est-ce que vous allez, là? On part à la recherche d'Olympus. Olympus? Toi, t'es vraiment un marrant. À qui l'eût cru? Vous m'êtes toujours redevables, tous les deux. Non, c'est une blague que vous nous faites, là. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui fait des blagues? Vous m'avez rendu ma ville, voilà ma façon de vous remercier. Tada!
Waouh. Je le croyais détruit. Ouais, mais je suis un magicien. Ok, allez-y mollo sur la route. Et faites gaffe, il paraît qu'il y a des bouchons. Oh, et attachez vos ceintures. Il y avait une loi qui obligeait les gens à faire ça. Tu crois que de corps m'a changé? Et toi? Je pense que non. Eh bien, on peut toujours espérer. Espérer? Ça, c'est du concept. We'll be right back.
Nous avons perdu Iris. C'était votre bioroïde, je sais. Je suis désolé. Elle est morte pour Olympus. Il n'y a pas de mort plus digne. Et sa mission? Elle l'a remplie avec succès. Le prototype est détruit. Et pour ce qui est des deux personnes qui l'ont aidée, doit-on les rapatrier? Non. Pas tout de suite. Ce sont des pépins de pommes. Où qu'ils aillent, ils feront germer l'espoir. Et d'autres bons éléments les suivront.